Je peux vous donner plusieurs noms, mais je ne veux pas citer les noms. Mais il y a beaucoup des avocats qui ne peuvent pas défendre leurs clients et on le met en prison. C'est-à-dire, exécution, ils ont changé de méthode, puisqu'à l'époque, on tuait les gens, exécution, condamné à mort, ok? Mais maintenant, s'ils vont tuer un politique, ils ne font pas comme avant. Ils vont aller mettre 2 kilos hashish, oh, héroïne, de drogue chez lui, on va l'arrêter, on va dire c'est une marchande de drogue. Et un jour, si je vais, malheureusement, ici, l'image. Vous tapez sur l'internet, vous pouvez voir Roxane, c'est très intéressant. Vous voyez des gens, des jeunes gens, en train de les exécuter, pendés. Mais vous savez, l'individu, il fait comme ça, et avec sourire. Ce gars-là, ce n'est pas un délinquant, c'est une personnalité politique. Il a fait des actes politiques. C'est pour ça que si c'est un délinquant, comme ils disent, si tu es un violeur de femmes, je ne sais pas quoi, qu'il y en a parmi, mais une grande partie, c'est des gens. Tout à l'heure, même j'invite tous nos amis d'aller sur l'internet et taper condamné à mort en Iran, exécution, pendu, des mots comme ça, vous allez voir, vous allez trouver des dizaines de personnes, d'individus qui sont en train d'aller être tués, mais ils font comme ça, ils font le sourire. Et de temps en temps, vous voyez son petit-fils derrière lui, il est en train de tirer. Tous ces gens-là ne sont pas des délinquants. C'est-à-dire la justice en Iran, c'est toujours va mal. Mais malheureusement, ici en Occident, puisqu'on a besoin de pétrole iranien, comme je viens de vous dire au départ de notre émission, puisqu'ils ont besoin de l'argent, et même pas on ne parle plus de tous ces problèmes-là, comme pendant des années on n'a pas parlé d'Arabie Saoudite, que les femmes n'avaient pas le droit de conduire, que toujours on coupait la tête, etc., etc., puisque c'est l'argent qui gouverne, malheureusement. Ah oui, effectivement, il y avait le Femen qui avait réagi à la venue du président Roménie, justement venu négocier avec François Hollande, qui avait donc ce mouvement féministe qui avait réagi en simulant une pendaison collective pour dénoncer le nombre de condamnations à mort par pendaison, donc des femmes adultères ou ayant, enfin, ayant effectué d'autres délits, des libres penseurs également. Et puis d'autres opposants au régime islamique. Exact, exact, oui. Ça, vous l'avez, vous. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que la lapidation, enfin l'adultère puni par lapidation existe toujours? Ça dépend. Ils ont exécuté quelques-uns, même ils ont coupé les mains et les droits de quelques-uns, bien sûr, puisque islamique, c'est des lois islamiques. Ils sont obligés de les exécuter, vous voyez. Mais ça existe. De temps en temps, ils essayent de retarder ou de changer des méthodes. Surtout que vous savez, pour l'adultère, je vais vous donner un exemple, comme un islamologue. Vous savez, Roxane, je suis désolé, vous êtes une femme, mais on va dire. Vous savez, adultère, vous devez punir l'individu, d'accord? Quand quatre témoignage est établi. D'accord? Et le témoignage, c'est très important, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, même pas ce n'est pas islamique. Parce que même à l'époque du prophète de l'islam, on voulait. Quelqu'un il vient, il dit, ma femme, elle est sortie, il dit, ok, de devoir ramener des témoins. Et il ramène les témoins. Écoutez bien. Le témoin, il dit, ah oh oui, j'avoue que. Je suis désolé de dire ça sous l'antenne, mais c'est la vérité. Et ça aide les musulmans pour défendre leurs femmes, leur communauté, et patati patata. Les avocats, qui ne savent pas. Il dit, est-ce que vous avez, vous, l'action? Ah oui. Non, l'action. Vous devez voir comment il est pénétré et sorti. Et personne ne peut pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la loi islamique. C'est-à-dire, la loi, il fallait qu'il le témoigne, il voit l'acte. L'acte, la pénétration est entrée et sortie. Personne ne peut pas témoigner. Mais vous savez comment ils font ça? Et il dit à la personne, écoute, tu vas écrire ici que tu as fait ça toi-même. Après, on va te libérer. Pff, écris, tu as fait ça quand même. Écris.
empreinte comme ça, par écrit de l'individu, comme quoi il a fait ça, où on enregistre le voix, et après tout de suite on dit voilà, ça y est, c'est lui-même qui l'a, et il a reconnu de faire ça, et malheureusement ils font ça. Ouais, sachant que les femmes sont très inférieures en matière juridique, je crois que leur voix compte pour celle de deux, la moitié, voilà, c'est ça. Au niveau de la justice, qu'en est-il pour les homosexuels et pour les transsexuels? Alors, les transsexuels, vous savez qu'actuellement, il y a une fatwa, parce que je suis un homme raisonnable. J'ai dit les mâles qu'il y en a, peut-être parmi 100 mâles, il y en a un bien aussi, je veux le dire. Vous savez, il y a récemment Ali Khamenei, lui-même, il a sorti une fatwa, comme quoi si quelqu'un il veut changer de sexe, il peut le faire. C'est légal en Iran. Vous voyez, par exemple, ça. Mais de l'autre côté, homosexualité toujours n'a pas reconnu par la République islamique d'Iran et c'est puni, et la punition est très très grave. Mais par contre, il y a certaines personnalités assez importantes qui disent qu'on doit fermer nos yeux. Mais dans les lois de la République islamique d'Iran, c'est puni, c'est interdit, et ce n'est pas même pas toléré, ça. D'accord. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez expliqué, le pouvoir actuellement se préoccupe plus de la position géostratégique du pays que des problèmes intérieurs, il semblerait. L'efficacité de l'action internationale sur les droits de l'homme en est affectée, hein, effectivement. Donc des droits de l'homme qui posent un véritable problème en Iran avec cette notion de peine de mort. La corruption, elle est à quel... Au niveau 2000%. C'est-à-dire corruption, ça marche, Roxane, partout en Iran, partout, partout, de petites jusqu'à très très haut instance iranienne. La corruption, c'est l'affaire de toutes les secondes en Iran. Est-ce que l'application de la peine capitale est attribuée aux mineurs également? Non, aux mineurs, non, quand même. D'accord, parce que apparemment. Mais si vous permettez, mais malheureusement, quand on est en train d'exécuter à la veille de la révolution les opposants, ils ont exécuté plusieurs centaines de mineurs. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, mais actuellement, puisqu'ils ont fait certains changements dans les lois islamiques, moi-même, j'étais témoin pour beaucoup de gens que je connaissais, femmes et hommes, filles et garçons, et ils avaient 14 ans, 12 ans, 16 ans, ils étaient exécutés juste à la veille de la révolution, puisqu'ils étaient contre le pouvoir. Mais actuellement, ils ont passé des lois comme quoi on garde l'individu dans la prison pour qu'il arrive à l'âge de 18 ans et après on l'exécute. Et nous avons des exemples comme ça, beaucoup d'exemples qu'ils ont gardé dans la prison de l'individu, mais après 5 ans, 6 ans, il était exécuté. Alors qu'en est-il de la jeunesse qui représente une large majorité dans le pays, qui est en train de se moderniser, donc avec quand même une faculté à pouvoir pénétrer sur les réseaux sociaux, à pouvoir contourner les lois qui les rendent finalement illégaux. Qu'en est-il de cette jeunesse-là qui semble en décalage avec leur génération antérieure? Alors cette jeunesse, il est 100% contre le régime, et cette jeunesse elle, en majorité n'est plus musulman, c'est-à-dire cette jeunesse, quand vous le voyez, même si vous êtes en Iran, à Téhéran, vous allez voir dans l'université, à droite, à gauche, si vous dites est-ce que vous êtes musulman, que vous n'enregistrez pas, il va vous dire que je ne suis plus musulman. Moi, j'avais reçu sur cette antenne une personne, que ça serait bien de citer son nom, Ibn Varraq. Nasrin Taslimé aussi, je ne sais pas si vous avez connu Nasrin Taslimé, on connaît bien Salman Rushdie, mais Nasrin Taslimé c'était quelqu'un d'un Pakistanais, Bangladesh, il venait de Bangladesh, que quand il est sorti de son pays, c'était une femme, puisqu'il avait critiqué l'islam, il était condamné à mort. Quand il est sorti, Salman Rushdie, il a soutenu cette femme, Nasrin Taslimé, que je le connaissais, sur cette antenne aussi, on a parlé avec et tout ça. En même temps, il y avait une autre personne, il s'appelait Ibn Varraq, mais son nom ce n'était pas Ibn Varraq,
C'était, il avait emprunté ça. Ibn Barraq, il témoignait que comment les gens en Pakistan, à l'époque, hein, ils quittaient l'islam. C'est-à-dire, ils disaient que je ne suis plus musulman. Maintenant, s'il y a un mouvement assez fort sur l'Internet, que vous pouvez aller chercher, constater, pourquoi je ne suis pas musulman, c'était le livre qu'Ibn Barraq a écrit à l'époque. Et c'était un ami que je l'avais invité ici. Il avait cité certains de mes écrits dans Le Secret de l'Islam, dans son livre. Mais actuellement, ça, Roxane, en Iran, c'est très élargi. C'est-à-dire, la jeunesse iranienne n'est plus musulmane. Et même ici, Domane, je conseille à tous nos amis qui sont en train de nous écouter ce soir, que je sais qu'ils ont des amis iraniens, sans aucun doute, que quand vous voyez un iranien ici, à Paris, à Los Angeles, vous demandez, est-ce que tu es musulman? Si avant il était musulman, il va vous dire que je ne suis plus musulman. Et même il a changé de nom. Il a pris des noms modernes, soit disant des noms perses iraniens. C'est-à-dire la jeunesse iranienne, c'est la chance de l'obtention de démocratie pour demain pour l'Iran. Puisque cette jeunesse, le régime ne peut plus le contrôler comme avant. Et cette jeunesse, je crois, va changer le climat d'Iran dans les années qui viennent. Alors, face à ces perspectives d'avenir qui sont difficiles pour cette jeunesse, avec un taux de chômage important, est-ce que cette désidentification à l'islam pousse aussi les jeunes à partir à l'étranger, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux ? 100%. Très jolie cette question, Roxane. C'est très intéressant, puisque aujourd'hui, n'importe quel Iranien que vous le voyez, et vous posez cette question-là, si tu veux rester ou tu veux quitter, il va vous dire que je veux quitter. C'est-à-dire actuellement, la majorité des Iraniens, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont envie de quitter l'Iran. Tellement la pression et les problèmes qu'ils ont, peut-être chez eux, à la maison, ils sont tranquilles. De temps en temps, on nous montre des reportages. Vous savez que certains reportages ici, quand on nous montre sur n'importe quelle chaîne de télévision, ce sont les reportages, ces chaînes de télévision qui ont signé le contrat avec l'Iran. C'est de propagande. Ça aussi, il faut savoir, il ne faut pas penser que l'Iran, c'est les maisons fermées qu'on le voit à la télé à droite et à gauche. Dans la rue, vous, une femme, quand vous sortez, vous n'avez pas le droit de montrer vos cheveux, de mettre une petite mini-jupe, d'aller boire quelque chose avec quelqu'un. Vous devez, si vous êtes marié avec quelqu'un, votre livret de mariage devrait être avec vous, parce qu'on arrête les gens dans la rue. Est-ce que vous êtes marié ou non? C'est tellement difficile, c'est pour ça. C'est vrai, les gens ils vont aller faire les skis, ils vont aller faire le sport, et tout ça, ça existe. Mais tous les propagandes de temps en temps qu'on voit ici à la télé en Europe, ce sont des propagandes viennent de la part des sociétés qui ont signé des millions et des milliards de contrats avec la République islamique d'Iran. Alors, ils ont obligé, c'est leur métier, de montrer un Iran moderne. Mais il est moderne dans la maison, dans les endroits fermés. Dans la rue, l'individu n'a pas le droit de s'exprimer, de vivre ce qu'il veut. Avec des actes de répression violente sur les journalistes Beaucoup, ça continue. Les journalistes, comme je viens de vous dire, avocats, des avocats, pas un, deux, trois, quatre. Il y a les avocats qui sont en prison en train de mourir. On doit les ramener chez le médecin. À l'époque, j'ai interviewé les gens qui étaient en prison, puisqu'on faisait entrer des téléphones portables à l'époque, sur notre antenne, bien sûr. Les gens, des personnalités. Il était malade et mourant, en train de mourir. On ne donnait pas la permission d'aller à l'hôpital. Il était resté dans la prison. C'est pour ça, plupart des choses qu'on entend ici, n'oubliez pas, c'est un arrangement de psychologie des gens selon les contrats qu'ils vont signer, qu'ils ont déjà signé. Pour dire, oh, c'est une dictature, pourquoi vous avez fait ça? Non, non, ça a changé, ce n'est pas patati, patata. Hassan Rouhani, c'est un élève de guide Ali Khamenei. Il suffit de comprendre l'iranien et d'aller écouter ce qu'il a dit hier et ce qu'il va dire demain en faveur de son guide et en faveur de son régime. Mais c'est l'enjeu économique qui font double face.
Alors, vous l'avez dit, chez les jeunes, en tout cas, les notions de république, de démocratie ou de liberté s'ancrent de plus en plus dans les esprits et créent des conditions d'un changement profond. Est-ce que vous pensez tout de même que malgré la répression, l'Iran est un pays où les gens donc débattent, parlent, s'expriment et protestent? Ah oui, de toute façon, et la résistance qui existe chez les Iraniens, surtout chez la jeunesse, cette résistance est très très admirable. Nous avons l'admiration pour cette résistance de la jeunesse iranienne qui, comme je viens de vous dire, Roxane, notre espoir pour demain. Parce que nous, on a fait notre travail, hein, c'est-à-dire pendant 30 années, on a écrit, on a éclairé, patati patata. Maintenant, c'est la jeunesse iranienne. Et que, comme vous venez de dire, environ 70% de 80 millions, c'est la jeunesse qui vont détruire ce climat de censure et de la pression. Alors, David Abassi, je vous propose une courte pause musicale. Le standard est toutefois ouvert. Si vous avez envie d'intervenir, vous composez le 08 92 23 95 20. Je rappelle que David Abassi est islamologue, réfugié politique, historien et journaliste, animateur radio sur Radio Ici et Maintenant pendant de nombreuses années avec l'émission Terre de Perse. Donc, vous êtes les bienvenus pour réagir au 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. À l'écoute de Radio Ici Maintenant, 95.2, David Abassi nous accompagne pour ce soir. Merci à nouveau d'être parmi nous, parce qu'il faut quand même toutefois rappeler que vous avez risqué votre vie plusieurs fois pour défendre les valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, de conscientisation. Voilà, toutes les valeurs que nous défendons dans le monde occidental et que vous incarnez avec tolérance. Donc, merci d'être parmi nous. J'informe les auditeurs d'un scoop et je pense qu'il est réjouissant. Vous avez accepté, il y a quelques minutes, de redevenir animateur sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant, le quatrième samedi de chaque mois. Vous savez, Roxane, cette radio, c'est une partie de ma vie. Surtout Didier, lui-même, c'est une partie de ma vie, puisque c'est mon meilleur ami, que j'avais beaucoup appris de lui, c'est-à-dire, puisqu'il n'est pas là, je vous dis, voilà. Puisqu'il n'est pas là, Didier, je vous dis, moi-même, j'ai beaucoup appris de Didier, mon communauté aussi, également. Actuellement, à Los Angeles, il y a une centaine de télévisions qui ne marchent qu'avec les méthodes de la radio ici maintenant. Pour la plupart de ces gens-là, à l'époque, ils étaient ici à Paris. Ils sont partis là-bas, fonder des télévisions. Cette télévision, seulement, c'est les gens qui parlent. Et ils parlent avec les gens. C'est-à-dire le système de la radio ici maintenant, de s'exprimer et donner la parole aux autres. Et bien sûr, sur beaucoup d'autres points, j'ai appris des choses, c'est-à-dire avec l'avancée de l'Internet et tout ça. Didier, pour moi, c'était aussi un maître. Alors, pour ça, c'est vrai que lui aussi, il m'avait manqué. Alors, quand il m'a proposé, je l'ai dit avec plaisir, voilà. Surtout ce soir, c'était très intéressant. Et je vous remercie beaucoup, Roxana. La qualité que vous avez, et comme je peux dire comme ça, un journaliste humain et intelligent, et vous avez bien travaillé, et les questions étaient très riches, et je vous remercie beaucoup. J'étais tellement ravi de faire cette émission avec vous. Ça sera un des points très très forts de ma vie. Et dernière. Documentaire qu'on avait fait pour moi, c'était à l'Arabier. Ça, je dis pour mes amis arabes qui nous écoutent. C'est puisque la chaîne de l'Arabier, c'est la plus grande chaîne de télévision internationale, que plusieurs millions de gens le voient. Alors, ils ont fait un documentaire de 4 épisodes sur la religion en Iran. Moi et mes amis en parlent dedans. Et l'émission commence par David Abbassi. Et ça se termine aussi par David Abbassi. Et là-dedans, j'ai dit en arabe, j'ai dit ici et maintenant, pour moi, c'était le moteur de départ vers un domaine de pouvoir écouter l'autre.
en même temps qu'on parle, on peut écouter l'autre aussi, et bien sûr, on apprend des choses. Pour ça, c'est avec grand plaisir quand Didier m'a proposé ça, de faire l'émission avec vous, j'ai accepté avec grand plaisir. Et également, pour le dernier samedi de chaque mois, ça sera comme d'habitude, je serai avec mon ami Didier Deplech et la radio qui est une partie de ma vie. Ben c'est sympa d'accepter, David. Voilà, on se connaît depuis une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Bon, il s'est dit des choses pas toujours acceptables de la part de certains de tes invités, mais peu importe, on a mûri depuis. Bien sûr. On a grandi. Et bien sûr. Toi, tu as témoigné ce soir d'une maturité normale, nécessaire. Et agréable et confortable. J'espère que Roxane a beaucoup apprécié également. Et ben, je suis content de te saluer à nouveau et de te proposer de rejoindre l'équipe pour Soleil de Perse, le dernier samedi du mois. Avec plaisir, Didier. À partir de 23h. Avec plaisir. Super. Merci, Roxane. Ben, merci à vous, merci David Abbassian. Merci Roxane. D'avoir été parmi nous. Merci pour toute cette richesse d'expérience et de connaissances. Merci Roxane, et je vais remercier Didier, surtout pour Roxane, un professionnel qui t'a mis en face de moi ce soir, que j'étais tellement ravi de ce côté-là aussi. Elle a beaucoup travaillé. Je sais, c'est pour ça que j'ai dit c'est très admirable l'émission qu'elle a fait avec elle ce soir. C'est imprégné du climat géopolitique, si on peut dire, de l'Iran. Elle a beaucoup appris ce soir sur un pays qu'elle n'a pas visité, mais elle a fait en sorte. Mais elle va visiter quand elle veut. Hein. Elle a fait en sorte. Moi, tu sais, Jordan, qu'est-ce qu'il dit, mon fils ? Il dit, papa, tu peux pas aller en Iran. il dit ça. Il dit, tu peux pas aller en Iran. Mais mes amis, ils pourraient aller en Iran s'ils vont. Et ils vont être accueillis par mes amis là-bas, qui sont tellement nombreux, grâce à tout ce que j'ai appris de Didier. C'est sympa. Merci beaucoup. Merci, David. À bientôt. Je t'embrasse, Didier. Merci, Roxana. Merci beaucoup David Abbassi, merci à tous et à toutes, merci pour vos interventions également. Mais vous étiez dans le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs à partir de 23h. Dans quelques instants, vous continuez à nous suivre bien sûr sur 95.2. Nos programmes continuent jusqu'à 6h du matin et après sur notre site internet ici et maintenant.com. Belle soirée à vous et à très bientôt.